Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec le ministre Hussein pour parler de logements sécuritaires et abordables. Every Canadian deserves a roof over their head. Since 2015, as a federal government, we re-engaged and we made historic investments in housing. But over the past 2 years, we've seen the pandemic increase the need for affordable housing, particularly amongst Canada's most vulnerable. That's why, working closely with municipalities and provinces and territories, we launched the Rapid Housing Initiative and invested $2.5 billion. We're now on track to create more than 10,000 new affordable units, exceeding initial targets. These new homes will support those who need it most, and it's a significant step towards the goal of eliminating chronic homelessness. L'initiative pour la création rapide de logements a été créée pour aider les gens en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Plus d'un tiers des 10 000 nouveaux logements sera dédié aux femmes et aux enfants les plus vulnérables. Par exemple, on sait que pendant cette pandémie, la violence conjugale a eu une montée très troublante. C'est pour ça, en partie pour ça, qu'on a l'emphase là-dessus. Et plus de 40 % des logements vont soutenir les membres des communautés autochtones. Ce qui est bon sur le programme de logement rapide, c'est que ça prend des mois, pas des années, pour créer des logements qui vont répondre à la demande immédiate des gens. Par exemple, l'été dernier, j'ai visité le projet Hope Living à Kanata, qu'on voit dans la photo derrière moi, qui convertissait son rez-de-chaussée en logement pour les aînés et les membres des communautés autochtones. On a aussi d'autres projets à travers le pays où des municipalités ont acheté des hôtels ou des bâtisses commerciaux pour les convertir en logements rapides et urgents. C'est un programme qui fonctionne et qui va continuer de fonctionner. Because one of the most transformative things a government can do is invest in housing. Because with a roof over their head, people can build a better life. En terminant, je veux vous dire qu'on continue de suivre la situation en Ukraine de très près. On a des discussions avec leur gouvernement et avec nos alliés sur comment on peut soutenir les Ukrainiens. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut faire une annonce. Le Canada va fournir un prêt de jusqu'à 120 millions de dollars au gouvernement de l'Ukraine. Canada will be providing a loan of up to $120 million to the government of Ukraine. Russia is aiming to destabilize Ukraine, including economically. This loan will help support Ukraine's economic resilience. Minister Joly discussed it during her visit, and we're also exploring other options to provide financial and other supports. I want to thank Minister Sajjan for his hard work to secure this financial assistance for Ukraine. And again, Canada calls on Russia to de-escalate and engage in meaningful dialogue. As we go into the weekend, I want to give a few words on last week's terrible hostage situation at Congregation Beth Israel in Texas. For Jewish families across the country, Shabbat begins this evening, and I know it'll be on their minds as they gather with their loved ones and in their congregations. I want to be very clear. Violence against Jewish communities is anti-Semitism and is always unacceptable. We will continue to stand against anti-Semitism and all forms of hate and extremism. And I send all my thoughts to families who are celebrating Shabbat tonight and reflecting on those terrible events of 1 week ago. Merci, et je cède maintenant la parole au ministre Hussein. Amen.